c'est jeudi, c'est jeudi, c'est le week-end qui approche. Le petit moment béni de la fin de semaine où on fait des projets, on se dit on va faire ci et ça et ça. Et ça, c'est sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est de venir jouer avec nous. Comme ce soir, Nicolas qui revient jouer. Ça va, Nicolas ? Bonsoir, Samuel. Voici Martine qui revient jouer aussi. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Samuel. Nicolas, il vient de Paris et Martine de Bordère, dans les Pyrénées Atlantiques. Voici Franck, c'est la première fois. Bonsoir, Samuel. Ça va, Franck ? De Renaison dans la Loire. Et Cédric revient. Il revient même. Bravo. C'est notre champion. Franck, Martine, Nicolas, méfiez-vous, Cédric. Il est sympathique, il a une bonne tête, mais il est très fort. Voilà. Et puis parfois, il y a des rebondissements incroyables. Ouais. Cédric était à cette place hier soir, premier qualifié, premier à choisir. Oh, un point en 4 à la suite. On s'inquiète. Mmh. Et là, votre voisin fait zéro. Oh, bon, ben, OK. Et puis au face-à-face, par contre, impeccable. C'est une montagne russe, ce jeu. Hein. C'est ça, c'est... Toujours de l'inattendu, toujours de l'imprévu, c'est bien. 12-0 le face-à-face. C'est vrai qu'il y avait bien le face-à-face en main. De même que le 9 points gagnant, c'était très très bien passé. Ouais. Mais Martine et Nicolas, notamment, connaissent bien ce jeu, Nicolas. Ouais, on a joué une fois ouais. Tous les deux, il me semble, il y a 4 ans. Je m'en souviens bien, Nicolas. Je m'en souviens bien. Face-à-face, Nicolas. Ouais, malheureusement, j'ai perdu, mais j'ai fait toutes les épreuves. C'est déjà pas mal. Martine, face-à-face. Face-à-face. La dernière fois, parce que dans le passé, vous aviez fait mieux encore. Ah. Franck, il n'y a pas de passé, puisque c'est la première fois. Absolument. Merci Franck de venir jouer avec nous. Ben, merci de votre accueil. Mais quel bon vent vous amène ? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous inscrire ? Est-ce qu'il y a... Oh, je regarde en famille l'émission depuis ouais. très longtemps. Ah, formidable. Ma mère regardait beaucoup et j'ai pris la suite. Franck, informaticien, musicien, vous pratiquez la clarinette ? Oui. Dans un orchestre d'harmonie ? Assez régulièrement, dans un petit groupe local amateur ouais. autour de Renaison, près de Rouen, qui super. S'appelle Les Copains d'Accord. Oh, joli. Que je salue. Les Copains d'Accord, c'est et beau. Oui. Et alors, avant, et de temps en temps, vous pratiquez aussi, vous faisiez du tambour d'ordonnance. Oui. Donc, c'est le tambour des grognards de Napoléon. C'est ça, hein ? Que les grognards pratiquaient pour renforcer le moral des troupes et à l'époque. Comment on le pratique ? Il est à la taille ? Alors, on a un baudrier. C'est ça ? Voilà, on peut défiler avec. Il ouais. est attaché avec une sangle, voilà. tout simplement. On peut avoir un tablier pour protéger le genou. Oui, aussi. On peut avoir des crispins et des gants. Il y a tout un attirail, si vous voulez, historique. Qu'est-ce que c'est, les crispins, Franck ? Les crispins, c'est des espèces de poignées un peu allongées, comme ça, qui donnent un style un peu plus... D'accord. Sympa. Royal, okay. Bon, on a déjà appris quelque chose. Est-ce que, Martine, Nicolas, sérieux, vous connaissez les crispins ? Du tout. Pas du pas tout. Du tout. Eh ben, ça tombe bien, parce qu'on a 4 à la suite sur les crispins, ce soir. Ah bah. qui arrive. Franck, merci beaucoup de cette participation. Merci de venir jouer avec nous. On a des sportifs parmi nous. Il y a Nicolas qui fait de la boxe thaï, ça ouais. c'est très impressionnant. Martine, très sportive aussi, de la gymnastique, la marche à pied. Vous adorez regarder le sport à la télévision, notamment le curling. Oui. Ah, c'est vous, Martine, qui a regardé le curling. C'est vous ? Oui, oui. Et pourquoi ? Ben, je ne sais pas, parce que c'est un sport. Oui. Je trouve ça fascinant. Oui, c'est vrai, oui. c'est vrai. Cette pierre qui glisse là, et quand ça balaye là, frénétiquement. C'est drôle, il y a ouais. de... c'est très étonnant. Ouais. Martine, bon retour parmi nous. Merci. Alors comme ça, Nicolas, vous faites de la boxe thaï. De la boxe thaï, oui. J'ai commencé avec un ami il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Il y a à peu près 6 mois. C'est comment ? C'est dur, c'est très dur physiquement. Ouais. Parce que c'est très cardio, il y a forcément pas mal de contacts. Mais par contre, c'est fascinant de progression et de tactique aussi. D'accord. Et puis, il y a aussi le côté des arts martiaux avec beaucoup de respect... envers les adversaires, qui sont aussi les partenaires. Il y a aussi des valeurs... Voilà, des valeurs assez fortes que j'apprécie. Bon, merci à tous les 4 en tout cas. Amusez-vous bien, donnez-moi plein de bonnes réponses. Voici la première manche. On y va. Allumons les buzzers, 9 points gagnants. Il s'agit de se qualifier, il y a 3 places à prendre pour la deuxième manche. Dites-moi, Nicolas, Martine, Franck, Cédric, par quel nom, masculin, pluriel, désigne-t-on les mélanges acides ou alcalins qui servaient autrefois à ranimer par inhalation ? Martine ? Les sels. Oui, les personnes défaillantes, on faisait respirer les trucs, là. Bonne réponse. Les sels. S-E-L-S, bien sûr. Musique. Quelle chanson d'Yves Simon, écrite pour un film éponyme réalisé par Diane Curis, Martine. Diabolomante. Exactement, bravo. Diane Curis, Diabolomante. Et c'est une chanson d'Yves Simon aussi. L'œuvre d'Yves Simon qu'il faudrait revisiter, notamment sur le plan musical, parce que c'est aussi un écrivain, il a fait de très belles chansons, qui évoque la vie d'une lycéenne des années 60, Diabolomante. Bravo Martine, bon démarrage. Au Moyen-Âge,
quel magistrat municipal des villes du nord de la France dont le nom, Cédric ? Le bourgmestre ? Non, pas le bourgmestre. Dont le nom vient du francique, Martine. Les chevins ? Parfait. Trois questions, trois bonnes réponses. Martine, bravo. Elle file en direction à deuxième manche. Le magistrat municipal des villes du nord de la France qui assistait le maire, c'est l'échevin, Martine. Très bien, on ne peut pas faire mieux. Si, on peut me donner la prochaine. Quel style vestimentaire et musical est apparu à Seattle ? Punk ? Non, Seattle. Grunge ? Grunge, hein ? Le berceau du grunge, Nirvana, notamment. C'est Seattle à la fin des années 80. Le style et la musique, grunge, avec cette énergie incroyable. Bravo Cédric. De quelle faculté permettant de saisir les objets ? Cédric ? L'appréhension. Ok, alors ce soir ça joue très très vite. Bonne réponse. Bam ! Ils vont tellement vite qu'ils vont finir par me donner les réponses avant que je pose des questions. Hein ? Tellement ça joue vite ce soir. Cédric, encore une bonne réponse. La préhension. Hein ? De quelle faculté permettant de saisir les objets ? La main est-elle l'organe ? Préhension. Bien joué. Quel cinéma ? Quel film de Laurent Cantet, mettant en scène de jeunes adolescents, récompensé à Cannes en 2008. Oui, Nicolas. Le Péril jeune ? Non, pas celui-ci. Se déroule dans un collège parisien. Péril jeune, c'est Clapiche. Cédric. Neuilly ta mère ? Non. Neuilly ta mère, non. Franck, faux. Les beaux gosses ? Non. Merci, ça fait plaisir. En vrai. Entre les murs ? Bravo. Ah oui. C'est bon, Martine. Ça fait 9 déjà. Incroyable. Alors là, bravo. Franck, Nicolas, Cédric, dans la mythologie grecque, à quelle science de l'observation du ciel, Nicolas ? L'astronomie ? Oui, c'est parti. La muse Uranie était-elle associée ? Astronomie, 2 points. Et maintenant, regardez, ça c'est le Hawa Mahal, ou Palais des Vents, c'est un des monuments les plus connus du Rajasthan. Dans quelle ville qui est la capitale de cet état, donc le Rajasthan, peut-on admirer ce palais ? Donnez-moi une... Oui, c'est vrai. Tashkent ? Non. Capitale du Rajasthan. Oui, Nicolas. Raja ? Non. Franck, une idée, une intuition ? Martine ? Jaipur. Jaipur, bravo. Je l'ai vu. Exactement. Oui, vous... Je suis allé en... Alors ? C'est superbe. Je vous confirme. Vous avez notamment vu ce palais ? Oui, oui. Jaipur, bravo Martine. Quelles petites crêpes épaisses servies, Cédric ? Les blinis ? Ouais. Ouais. Bravo. Ça, Nicolas, c'est ça que vous voulez dire aussi ? Non, je veux dire pancakes. Pancakes. Mmh. À petites crêpes épaisses, on peut partir dans différentes directions. Voilà. Là, il faut un peu de chance. Direction pancakes, direction blini. Servies chaudes pour accompagner caviar ou poisson fumé sont typiques de la cuisine russe, les blini. Bravo. Franck, ça va se débloquer, vous allez voir. Quel mot issu du grec signifiant « qui sert de fondement » désigne le droit dont est... Nicolas. Fondation ? Non. Le droit dont est grevé un bien immobilier pour garantir le paiement d'une créance. Pour garantir le paiement... Oui. Une hypothèque ? Oui, voilà. C'est l'hypothèque. On cède une hypothèque sur un bien. Et si on ne paye pas la créance, aïe. La saisie. Cédric, 7 points. 7 points, c'est beau. Franck, ça va venir. Nicolas est parti. Quel gaz à effet de serre provenant notamment de l'élevage des rues ? Nicolas, t'es plus rapide. Le méthane. Méthane. Cédric était sur le coup. Bonne réponse. Méthane, bien joué. Insecte. Quelle chenille du genre Bombyx, dont certaines espèces sont très nuisibles à certains arbres. Cédric. La chenille processionnelle. Oh oui, c'est beau ça. C'est beau et ça fait 9. Bravo. Martine qualifié. Notre champion qualifié. Rien n'est jamais joué. Il faut me donner des bonnes réponses à 3 points. Nicolas, vous en avez 4 d'avance. C'est parti. Après les chenilles processionnaires, dites-moi, c'est de l'histoire. En 1923, quel général turc fonde la République dont il devient le premier président ? Franck. Atatürk ? Oui, oui. Mustafa Kemal dit Kemal Atatürk. Attention, Nicolas, au retour de Franck. Donc, il fonde la République. Il devient le premier président et puis il abolit le califat l'année suivante. On est en 1923, Mustafa Kemal Atatürk. Franck, bravo. Dans la série mythique Chapeau, Melon et Bottes de Cuir, quelle héroïne ? Franck. Emma Peel. Attention Nicolas, Franck passe devant. Bravo. Emma Peel, interprétée par Diana Rigg, mène l'enquête aux côtés de John Steele. Ils étaient incroyables tous les deux là.
C'était un mélange d'aventure, mais de flegme britannique aussi. C'était fou. De 1965 à 1969. Attention, Franck est passé devant Nicolas. Emma Peel, Madame Peel. Une histoire de confiserie maintenant et un petit peu de calcul mental. Un enfant achète 22 sucettes à 1,10€ l'unité. Quelle somme dépensera-t-il au total? C'est parti, 22 sucettes, Nicolas. 23,20€. Non. 22 sucettes à 1,10€. Et là, Franck prend le temps. 24,20. 24,20€. C'est exactement la somme que va dépenser ce petit garçon qui va avoir plein de caries par ailleurs. Parce que 22 sucettes, ça n'est pas possible. Franck, vous êtes qualifié. Bravo. Incroyable. Ah oui. Nicolas, bien dans le match. Bien dans le match. Bravo. Et alors, Franck nous a fait une petite remontada là, de Ligue des Champions. Là. Incroyable. Bravo, Franck. Dommage, Nicolas. Oui, dommage. Oh, je vous perds. Bon, on passait un bon moment ensemble, mais je n'ai que 3 places. Nicolas, un grand merci en tout cas. Ben, merci. À la prochaine. Ouais. Et un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre cette superbe chaîne IFI numérique très complète, pouvant convertir vinyle et cassette en MP3. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer la sélection, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Vous qui nous regardez ce soir, à vous de jouer pour gagner la belle somme de 1 200€ toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Question, il faut compléter cette expression, l'avenir appartient à ceux qui, vous avez la suite, 1, qui font du vélo, 2, qui se lèvent tôt, 32, 43, téléphone, SMS, 1 ou 2 au 7, 10, 20. Donc 1, c'est qui font du vélo, 2, qui se lèvent tôt. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette jolie somme. Nicolas, à bientôt. Franck, bravo. Merci. Notre double champion, il est là. Et Martine a fait une belle première manche et espère faire une belle deuxième. C'est parti. Vous avez joué très très vite sur la première manche très rapide. Donc on a le temps, on est tranquille. Martine, votre thème idéal de 4 à 8, vraiment le thème que vous aimeriez avoir, quoi. Littérature. Super, littérature. Ok. Cédric. Sport ou science. Ok. Franck. Science ou sport. Ah. Ok. J'ai du sport. J'ai pas de littérature, semble-t-il. Semble-t-il. Parce que c'est mystère. Mais j'ai 4 beaux thèmes, et ce qui est bien, c'est que Martine s'est qualifiée la première, et donc peut choisir ce qu'elle veut. Soit les chansons au titre interrogatif. Le vocabulaire du golf, voici mon thème de sport. Versailles dans l'histoire, ou le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Martine. Versailles dans l'histoire, peut-être vous attendez un petit peu, peut-être. Oui, surtout que je l'ai visité il n'y a pas longtemps. Ouais, non, finalement non. Non. Un joli thème que voici, thème mystère, fragilité et faiblesse. Voilà, la notion de fragilité, de faiblesse dans la culture générale, c'est assez général. C'est très bien. Martine, vous êtes prête? Fragilité et faiblesse, attention. Au Louvre, quel chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, protégé par une vitrine hermétique peint sur quel espace membraneux de la voûte crânienne d'un nouveau-né sont des zones? 2022, quel cinéaste et écrivain publie Fragile des bronches, 3 ans après la sortie de son film Convoi exceptionnel? Je sais pas. En 2004, dans Les jours fragiles, quel écrivain imagine le journal intime de la sœur d'Arthur Rimbaud? Je ne sais pas. Quelle plante de la famille des papas véracées, proche du pavot, s'épanouit dans les champs des fleurs? Dans plusieurs bibliothèques, quel film photographique en feuilles rectangulaires ou en rouleaux permettent de stocker les documents fragiles? En raison de la fragilité de ce type de production, quelle préparation pulvérise-t-on sur un dessin au pastel pour en assurer la protection? Un vernis. En médecine, quel nom d'origine grecque désigne... Alors, on appelle ça, donc la préparation qu'on pulvérise sur un dessin au pastel pour le protéger, on appelle ça un fixatif. Fixatif. 2 points pour Martine. 4 bonnes réponses. La Joconde. Donc on parlait de fragilité et faiblesse qui est protégée en fait par une vitre hermétique. Elle est même surprotégée. Hein. La Joconde au Louvre, oui. Fontanelle, on parle de fragilité. Hein. C'est cet espace qui doit être préservé des chocs chez les tout-petits. Hein. L'espace membraneux de la voûte crânienne d'un nouveau-né. C'est un petit peu à l'arrière là. Le coquelicot, encore une bonne réponse. Quelle plante de la famille des papaveracées proche du pavot
vous l'aviez, s'épanouit dans les champs en des fleurs rouges aux pétales fragiles. Et, ah oui, alors ça nous renvoie un peu au passé. Oui, il est dans les bibliothèques, à des fins de conservation, on utilisait des microfilms. Et pour consulter, on avait des liseuses. C'était incroyable. Dans plusieurs bibliothèques, quel film photographique en feuilles rectangulaires ou rouleaux permettent de stocker des documents fragiles. Évidemment, maintenant, l'informatique, la numérisation sont d'autres solutions. Pour faire plus, il nous fallait le fixatif, mais aussi ce cinéaste et écrivain qui, en 2022, publie « Fragile des bronches », 3 ans après la sortie de son film, « Convoi exceptionnel », Bertrand Blier. Bon. Et dans « Les jours fragiles », en 2004, l'écrivain qui imagine le journal intime de la sœur d'Arthur Rimbaud, c'est Philippe Besson. Besson. Merci Martine. Merci. 2 points pour vous. Cédric, vous vouliez du sport, j'ai du sport. C'est ça. C'est le golf, mais j'ai les chansons au titre interrogatif et également Versailles dans l'histoire. On va partir au golf. On va sur le golf. Cédric, venez. Cédric a pratiqué le rugby, a pratiqué le judo, oui. A pratiqué le basket, la natation, la marche. Il aime le rugby. Est-ce qu'il a joué au golf? Oui. J'ai joué 1 an au golf quand j'étais lycéen avec l'association sportive. Je n'ai pas tout. Ok, Cédric, c'est parti. Double champion, 2 victoires déjà. Cédric, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Le vocabulaire du golf. Top. Quelle surface gazonnée aménagée autour de chaque trou doit son nom à l'anglais signifiant vert? Au golf, combien de trous un parcours complet comporte-t-il? Comment appelle-t-on le score de référence pour chacun des trous? Le par. Quel mot anglais désigne la touffe de gazon enlevée par un coup de club? Le divot. Quand Cédric a vu le thème s'afficher, il a dû se dire « Oh, oh, c'est intéressant ça ». J'avoue, je suis fan de golf, c'est un sport merveilleux. Ah, mais c'est vraiment un sport merveilleux. Pourquoi merveilleux pour vous, C'est très stratégique, c'est un sport qui rend fou, c'est-à-dire que le moindre petit écart fait qu'on part dans tous les sens, on n'est jamais sûr, même les grands champions de réussir. On a vu des champions perdre leur putting et jamais réussir à le récupérer, se chercher, changer de putter, changer de gestuelle. Ah oui. C'est très cérébral, c'est vraiment un sport fantastique. Quoi. C'est, le golf, vous en parlez très bien. Hein. Cédric, alors, 4 questions, 4 bonnes réponses et 4 à la suite parfaits. On se fait plaisir, on continue, juste pour le plaisir. On tente le 8 à la suite. Au golf, quelle petite pièce de bois ou de plastique utilise-t-on pour surélever la balle? Le tee. Comment appelle-t-on les obstacles de sable disséminés? Bunker. Sur le parcours d'un terrain de golf, bunker. Au golf, quel terme anglais désigne l'effet latéral donné à une balle? Fadeaway. Slice. De slice. Slice. Ouais. C'est un 6 à la suite. Et je reviens sur les 4 bonnes réponses auparavant de Cédric qui nous avait donné. Le divo. Donc ça, c'est la touffe qu'on arrache. C'est ça, quand on fait l'engagement en particulier. Quoi. D'accord. Et ça, est-ce que c'est synonyme d'un geste qui a été mal fait ou pas forcément? Pas forcément. Après, ça peut avoir une influence sur l'ouverture de la face du club et éventuellement contrarier la trajectoire. Donc c'est à contrôler, mais c'est bien qu'il y en ait un tout petit peu quand même. On sent un passionné quand même du sujet. Hein. Le par, donc c'est le score de référence à faire sur chacun des trous. Un parcours complet au golf, c'est 18 trous. Voilà. Et le green, c'est la surface gazonnée sur laquelle on joue. Voilà, Cédric, bravo. 4 à la suite. Félicitations, et vous êtes qualifié. J'aurais dû prendre 5, c'est peut-être trop. Cédric, notre double champion, va disputer un 3e face-à-face dans un instant, c'est sûr. Face à qui? Tout va dépendre de votre score, Franck. Est-ce qu'on joue avec les chansons au titre interrogatif ou Versailles dans l'histoire? Les chansons au titre interrogatif. Franck, c'est pour vous, venez. Aussi, il aime le sport. Peut-être qu'il aurait aimé aussi prendre ce thème. Oui, oui, oui. Et j'ai vu que Martine aussi, il aurait aimé finalement. J'aurais fait 6. Ce thème. Franck va peut-être nous dire qu'il fait des blind tests sans arrêt, la musique, un petit peu. Oui, j'aime bien le karaoké. Voilà. C'est pas mal ça. Oui, mais je ne vais pas m'y essayer maintenant. Alors, ça tombe bien, on ne va pas vous demander de chanter. Par contre, si vous pouvez me donner quelques bonnes réponses, ça m'intéresse. On va essayer. Chanson au titre interrogatif, le score à battre, Franck, c'est 2 points. Vous êtes prêts? Je suis prêt. «
Top 77. Dans quelle chanson de Patrick Juvet entend-on « Elle ne parle plus d'amour, elle porte les cheveux courts » ? Où sont les femmes ? En 70, quelle chanson de Brigitte Bardot constitue la reprise d'un titre précédemment chanté par Marcel Zanini ? Tu veux ou tu veux pas ? 77. Dans quelle chanson Dave parle-t-il d'une rencontre amoureuse dont il se demande si elle est fortuite ? Je passe. 2020, dans quelle chanson extraite de l'album Grand Prix, Benjamin Biolay s'interroge-t-il sur les conséquences d'une séparation ? 62, quelle chanson de Barbara débute par « Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps ?» Dis quand reviendras-tu ? Dans quelle chanson des années 40, Charles Trenet dit-il « Baiser volé, rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela ? Dites-le-moi. » Je passe. En 73, que reste-t-il de nos amours ? C'était ça. Et deux points, Franck, c'est bien. Oh, c'est beau. On va même écouter quelques petits extraits de certaines chansons. Ça commence très bien. Patrick Juvet, Où sont les femmes ? Voilà, je ne vais pas vous le chanter parce que la note est quand même compliquée à tenir. On est en 77. On entend notamment « Elle ne parle plus d'amour, elle porte les cheveux courts ». Patrick Juvet. La chanson de Brigitte Bardot, deuxième point, bravo Franck, en 70, qui est une reprise en fait d'un titre chanté par Marcel Zanini, « Tu veux ou tu veux pas ». Alors là, moi, je connais la version de Zanini, bien sûr, qui est géniale. Je n'ai pas celle de Bardot en tête. Je sais pas si on... Tu veux ou tu veux pas ? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. La vie ! Bien sûr. Oui, c'est une mais si, bien sûr. Elle est pas mal, cette version. Oui, c'est très bien. Magnifique. Et vous avez aussi Barbara. Dis quand reviendras-tu ? Hein, 62. Cette chanson qui débute par ces mots « Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Dis, quand reviendras-tu ?» Magnifique chanson de Barbara. Pour faire plus, on revient sur ces questions avant de jouer au jeu décisif avec Martine. La chanson où Dave part d'une rencontre amoureuse dont il se demande si elle est fortuite. Écoutez. Est-ce par hasard si j'ai suivi l'étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici, où tu te trouves aussi ? Est-ce par hasard ? Magnifique chanson de Dave. Benjamin Biolay, 2020, chanson extraite de l'album Grand Prix. Il s'interroge sur les conséquences d'une séparation. Oh, je vous mets sur la piste. Comment est ta belle ? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Comment est ta peine, Biolay ? Et puis, je l'ai évoqué, hein, la chanson de Trenet que nous cherchons, c'est « Que reste-t-il de nos amours ?» Franck, bravo. Deux Merci. Points, vous les avez. On va jouer avec Martine au jeu décisif. Allez-y, Franck. Merci, Samir. Que reste-t-il de nos amours ? Bonne chance. Bonne chance. Cédric, je cherche votre adversaire. Je viens d'entendre Franck et Martine sous tes bonnes chances. Ça, c'est très, très beau. Vos scores retombent à zéro. Ce sont de bons scores. Mais on repart à zéro puisque la première, le premier à deux points se qualifie. Voici la première image. Que suis-je ? Monument ! La tour de Pise. Ah bah oui, là, il fallait jouer vite. Bravo. Elle est très penchée, là. La tour de Pise. Parfois, on montre un indice, parfois, on montre ce qu'on cherche. C'était bien la tour de Pise. Deuxième image. Que suis-je ? Activité utilisant un appareil. Franck. Le repassage. Eh oui ! Alors, je ne l'avais pas vu. Non seulement on a une chemise froissée, mais je ne l'avais pas vu. C'est mon repassage. Alors, qui n'a pas connu ça ? Hein, le fer oublié, là. La belle trace de fer, là. Bon, je crois que la chemise, elle est foutue, là. Franck, Martine, voici une troisième question. Que suis-je, monument destiné à transmettre l'histoire sainte ? Un calvaire. Oui, on est en Bretagne, les calvaires, il y en a partout. Je confirme. Alors, en Bretagne, on en trouve souvent dans les campagnes, au carrefour des petites routes. Qu'est-ce que c'est ? La question nous le rappelait. Monument destiné à transmettre l'histoire sainte aux paroissiens illettrés. Du 15e, du 16e, du 17e, on est différents personnages, on le voit très très bien d'ici. Typique de la Bretagne, c'est très breton ça. Je représente certains épisodes de la vie du Christ, je suis le calvaire. On dit le calvaire breton, Martine, bravo. Merci. Vraiment, il ne manque pas grand-chose. C'est une très belle première fois. Bravo à vous. Très heureux. J'espère à bientôt, Franck. Oui, avec plaisir. J'espère qu'il y aura des suites à cette première. Et en attendant, un cadeau.
Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Cédric va tenter une troisième victoire d'affilée dans un instant. Martine de devenir championne juste après cette question pour vous, pour gagner 1200 euros toutes les semaines. Jusqu'à la fin de cette année, il faut compléter cette expression. L'avenir appartient à ceux qui, 1, font du vélo, 2, se lèvent tôt, 3243 le téléphone par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20 et on tire au soir parmi vos bonnes réponses pour cette jolie somme. Cédric, Martine, on se retrouve dans un instant pour le titre de champion ou de championne. A tout de suite. Merci, merci d'être avec nous. À question pour un champion, c'est l'heure du face-à-face. Martine et Cédric. Bonne chance. Bravo à tous les deux. Martine connaît bien ce jeu. Elle a joué, elle a déjà brillé. Elle est de nouveau avec nous au face-à-face. Martine, félicitations. Merci. Cédric, la belle histoire se poursuit. Ça poursuit. Quelle belle histoire. Oui. Avec un 4 à la suite, par ailleurs. Mmh. Et un troisième face-à-face. Deux titres déjà pour Cédric. Et tout est possible sur ce match. Bien sûr, bonne chance à tous les deux. La cagnotte est à 13 600 euros. Elle commence à monter un petit peu. Elle est sympa. La première question dans un instant, elle est là. Ce sera de l'art. Vous aurez la main, Cédric. Mais d'abord, évidemment, on regarde les cadeaux. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ecovax vous offre l'aspirateur laveur D-Bot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse anti-emmêlement permettent un nettoyage sans effort. Pour le second et pour le champion ou la championne, eh bien, il y aura ceci. Léo Troche, premier hôtel de luxe troglodyte en France, vous accueille pour une superbe échappée gastronomique au cœur de la vallée de la Loire. Cédric, donc... J'ai parlé d'une question art pour commencer. Je laisse la main, c'est bon. Martine, c'est pour vous. Top activité. Dans laquelle l'italienne Cinzia Pasquali a acquis une grande renommée. Je me suis imposé en France avec l'installation des collections de François Ier à Fontainebleau. Autrefois confiée à des peintres célèbres ou d'habiles copistes, j'implique des opérations de nettoyage, de rentoulage, de dévernissage, de retouche. Intervention effectuée sur un tableau pour le conserver ou tenter... La restauration. Exactement. Cédric a buzzé tout à l'heure à la fin des trois, mais la main était passée. Vous l'aviez ? Non, non, honnêtement, non. Vous l'aviez pas encore ? Non, non, c'était autre chose. Donc la restauration, ouais. D'où les opérations de nettoyage, de rentoilage, de dévernissage, de retouche. C'est un travail très minutieux, qui demande beaucoup d'expertise. Hein. Restauration de tableau, Cédric, oui. Martine, je vous propose de la géographie. Je prends. Top phénomène, désigné par une expression dont un des termes est associé à un livre de la Bible. J'ai débuté en Angleterre au 18e avant de m'étendre au reste de l'Europe de l'Ouest. Provoquant souvent des effets importants dans les régions où je me produis, j'ai pour cause principale le progrès technique qui a considérablement augmenté la productivité. Le smog ? C'est pas le smog. Top productivité des terres et des hommes. Migration des habitants des campagnes vers les villes. L'exode rural. Exode rural. Et voilà pourquoi on parlait de la Bible au début. L'exode. Phénomène désigné par une expression dont un des termes est associé à un livre de la Bible, Exode rural. Donc, population des campagnes vers les villes. Et un pays comme la Chine, par exemple, a été confronté à ce problème aussi ces dernières décennies. Cédric, cinéma. Je laisse la main, Samuel. Martine, quel est ce top studio d'animation créé en 86. Mon nom est celui d'un vent chaud que les pilotes italiens de la Seconde Guerre mondiale ont donné à leurs avions de reconnaissance. Associé depuis 2001 à un musée dédié à mes créations, j'ai produit Le Château dans le ciel, mon premier film, suivi de Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Le voyage de Chihiro, studio d'animation japonais fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Vous connaissez hein, oui. Ce célèbre studio oui. D'animation hein, lié à Miyazaki, qui est son grand maître. De l'animation japonaise, le nom des studios, c'est les studios Ghibli. Voilà. Et moi, j'apprends qu'en fait, ça vient d'un terme italien, un vent chaud, évoqué par les pilotes italiens de la Seconde Guerre mondiale. Ça, je ne le savais pas. Martine, musique. Je prends. Nous cherchons. Top. Un musicien de jazz américain né à Alton, dans l'Illinois, en 1926. J'ai été remarqué très jeune par Charlie Parker. M'imposant dans les années 50 comme un des pionniers du jazz cool, je forme en 63 un célèbre quintet avec Tony Williams, Ron Carter, Herbie Hancock, George Coleman. Gypsy ? Non. Top. Considéré comme l'un des plus grands solistes et improvisateurs à la trompette, on me doit les albums... Miles Davis. Ah ouais. Ah ouais. La trompette.
On me doit différents albums, Kind of Blue et Toutou. Je me suis Miles Davis, So What, c'est un extrait de Kind of Blue, l'album que j'évoquais, Miles Davis. Chance d'avoir un très bon son sur ce plateau. On pourrait écouter tout l'album, mais j'ai quelques questions à vous poser. Martine, vous me donnez Miles Davis, 2 points de plus, bravo. Cédric retrouve la main pour une question de Culture Générale. Je laisse la main, ça va. La main passe, Martine. Top phrase, répétée 2 fois dans le titre d'un film d'Alain Resnais en 68. On peut me lire, décliné en différentes langues, sur un mur de la butte Montmartre à Paris. Titre d'un poème de Paul Éluard, paru dans le recueil Le Phénix en 51. Je précède les mots, moi non plus. Dans le titre d'une chanson écrite... Je t'aime. Merci, Cédric, c'est très sympathique. Bon. Oui, je t'aime, moi non plus. Je t'aime, le film d'Alain Resnais. Les indices qui suivaient... Donc, Je t'aime, moi non plus, c'est la chanson écrite et chantée en duo par Serge Gainsbourg et Jane Birkin en 69. Et puis, à la fin, on disait déclaration que l'on traduit par I love you outre-Manche. Et on apprend qu'il y a un mur de la butte Montmartre où le Je t'aime est décliné en plein de langues. Belle opération de Cédric qui marque 3 points. La main revient à Martine. Histoire. Je prends. Quel est top 7 homme d'État, né vers 188 à Lyon. Je suis surtout connu sous mon surnom, qui me vient du manteau gaulois que je portais, proclamé empereur en 211. Caracalla. Non, c'est pas... Caracalla. Caracalla. Oui. Oui. Bon. Caracalla, les indices qui suivaient, Martine n'en a pas eu besoin, Martine 4 points, proclamé empereur en 211 avec mon frère Guetta, que je fais assassiner l'année suivante. J'émets en 212 un édit accordant la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Ayant laissé mon nom à des termes gigantesques de Rome, je suis un empereur romain au tempérament guerrier, fils de Septime Sévère, je suis Caracalla. Et il est né à Lyon. Oui. Martine, bravo. Cédric. Sciences et techniques. Je prends la main. La main est gardée par Cédric pour cette top appareil, dont le nom apparaît vers 1972, j'ai été commercialisé sous les noms de modèles Penny ou Corallo, souvent de couleur orange, aujourd'hui prisé des collectionneurs, doté d'une tête de lecture réputée plus agressive que celle des tourne-disques de salon. Je permettais des... Un ange et disque. Ah oui. Souvent orange, oui. Orange, des couleurs un peu pop. C'était simple comme bonjour, vous preniez le disque, 45 tours en général, ouais. Paf, vous mettiez ça. D'où la tête de lecture. Et la fin de la question disait, bah voilà, je permettais d'écouter des 45 tours en toute liberté. Hein. Électrophone portatif à fonctionnement automatique comportant une fente dans laquelle on glissait un 45 tours. Révolution à l'époque. Hein. Écouter des disques vinyles de façon si simple, c'était le manche-disque. 7 points en 2 bonnes réponses. Caracalla, manche-disque. Martine, vous êtes à 11. Et vous avez la main. Pour du sport. Je prends. Cédric, Martine, sport, quel est ce top champion, né le 17 mars 69. J'ai intégré l'équipe de France entraînée par Nano Pourtier au milieu des années 80. Skieur, charismatique, alliant la décontraction à l'humour. Jean-Luc Rétier. C'est pas... Non. Top, j'ai été 3 fois champion du monde de ski acrobatique. Oh. Devenu en 80... Edgar Gros-Piron. Ah bah alors là, il y avait un indice très important. Ski acrobatique. Mmh. Edgar Gros-Piron, le skieur de la Clusaz. Oui. Martine a marqué beaucoup de points. Cédric revient un peu avec 3 points ici. Devenu en 92 le premier champion olympique de l'histoire dans l'épreuve du ski de bosse. On se rappelle de ces images, c'était incroyable. La station de la Clusaz, c'est la sienne, a rebaptisé une piste noire, le mur Edgar. En mon honneur, je suis Edgar Gros-Piron. Effectivement, à la Clusaz, il y a une piste avec beaucoup de bosses comme ça. Et c'est la sienne. Cédric, bravo. Si je vous dis mythologie. Je laisse la main. Ok, Martine. Top site, évoqué par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle au livre 3, chapitre 5. J'aurais été créé par un héros de la mythologie, héros grec. Considéré comme le lien entre le ciel et la terre, je suis censé marquer la limite du monde. L'Olympe. Ce n'est pas l'Olympe.
top, constitué à l'origine du mont Calpé et du mont Abila réunis, se suit séparé en deux par Héraclès pour marquer son passage. La main est passée. Un trou. Victorien. Top, ensemble de rochers situés de part et d'autre. Les colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule. Cédric, un point de plus, qu'il rentre dans la zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse, mais il faut qu'elle soit à 4 points. Martine n'a besoin que d'un point. Je m'excuse pour... Je déteste faire de fausses liaisons. J'ai, au début de la question, je crois avoir dit « J'aurais été créé par un héros. Hein, » magnifique. J'ai voulu me reprendre et puis je me suis dit « Je vais faire perdre du temps à Martine. » On continue. Désolé. 11. 8. Martine. Culture générale. Je prends... Jeu, créé par l'inventeur anglais Frank Hornby en 1900. Je suis fabriqué à Liverpool avant d'être commercialisé en France vers 1911. D'abord appelé Mechanics Made Easy. Je comprends des lames métalliques percées de trous équidistants qui peuvent... Mécano ? C'est la description du mécano, ça. Des lames métalliques avec des trous dedans. Mécano ! Waouh. Waouh, wow, ça c'est beau. Célèbre jeu de construction, mon nom déposé est devenu dans le langage courant synonyme de montage compliqué et hasardeux. Oh là là, tu t'attaques à un vrai mécano. Ok. Ça, c'est très beau, ce que vous nous offrez tous les deux. Merci et bravo. Qui va marquer le point qui lui manque? Cédric, vous avez la main? Architecture? Je laisse la main. La main passe, Martine. Top artère parisienne où Giuseppe Fieschi perpétra un attentat contre Louis-Philippe. J'ai été ouverte sur le tracé de l'enceinte de Charles V, détruite sous Louis XIV. Boulevard bordé d'arbres au XVIIIe siècle, je deviens un lieu de promenade, de divertissement populaire, surnommé boulevard du crime. Dans ma portion qui abritait des théâtres jouant des mélodrames sanglants, mon nom évoque les Templiers qui avaient établi leur... Non, rue du Temple. Ah, paf. Dites. Rue du Temple. Boulevard du Temple. Boulevard du Temple. On n'était pas très loin. La main passe. Martine, c'est pour vous cette fois. Botanique. Je prends. Botanique. Cédric, Martine. Top phénomène naturel, suscité par l'abscission. Je surviens invariablement à la fin de l'été, provoqué par la baisse d'une hormone de croissance, l'auxine. La chute des feuilles. C'est exactement la chute des feuilles. La défoliation. Martine emporte ce très beau match. Bravo. C'est encore plus beau qu'une victoire. Parce que c'est une victoire dans un grand contexte disputé. Voilà, Cédric, double champion. Voilà, était au bord d'une troisième victoire. C'était très serré. Bravo à tous les deux. Voilà. Cédric, bravo pour ce super joli parcours. Merci. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Mmh. Martine, bravo pour cette très belle victoire. Merci. Martine, j'ai une petite question à vous poser en plus, mais vous la connaissez. Après cette victoire ce soir, est-ce qu'on retrouve Martine demain soir? Vous avez 5 secondes. Et Martine nous dit... À demain. À demain, Martine. Bonne soirée. Merci, Cédric. Bravo, hein. Félicitations. À demain avec Martine. Bonne soirée sur France 3.